Bon, 2021. La meilleure histoire, ça devait pas être dur à juger. Les grands gagnants pour un montant de 1 000 $ sont Jules Perron, Baptiste Desrochers et Lucas Gagnon. Félicitations les boys. Après notre victoire, on a eu ben du fun. Peut-être même un peu trop de fun. Bon, les boys, c'est l'heure de payer. Yep. Mmh. T'as-tu le chien? Ah, non, c'est moi. Mmh. Ce qui manque 20$. Oh shit! Vous avez 2 heures! Un jour. 2 jours. Dernière. Les coriaces. Je suis un enfant d'asphalte. Janvier 2022, l'un des mois les plus meurtriers depuis le début de la pandémie dans nos régions. Oui, donc maintenant la vente et l'achat de sirop d'érable à travers le Québec va être quelque chose de prohibé et illégal. Ben, oh non! Écoutez, boys, on va faire ça simple. Vendez pour moi, on oublie la dette. OK! Sirop d'érable illégal. Mm-hmm. OK. T'as une minute, je te rappelle. C'est bon avec ça. Kiss my ring. Restez là les gars, je vais aller chercher stock. Bon les gars, je vais t'en réfléchir, je vais t'en réfléchir. Clairement la meilleure option, c'est les sommets. Avec des skis, on peut pas se déplacer, on fait des tricks, les tricks, qu'est-ce que ça fait? Ça attire l'attention, l'attention, ça attire quoi? Ça attire les vrais sports, en fait. T'as l'air sur le fucking gris, c'est qu'on m'en dit. Les gars, je pense que j'en ai besoin de l'air. Il y a une moustache, c'est clairement une police. De quoi tu parles? Yo, c'est calice, man! Ouais, big bills!